Bonjour, je m'appelle Céline, je suis assistante maternelle. Alors ça consiste à accueillir les familles, on accueille les enfants pour une journée entière ou en demi-journée. On fait des transmissions, ils nous expliquent comment se passe la nuit. Quand les parents récupèrent les enfants, on fait la transmission de la journée. Alors on peut accueillir les enfants de 2 mois à 3 ans et demi. On a un agrément pour 4 enfants. On aménage l'espace pour des âges différents des enfants, pour leur sécurité, pour l'hygiène, pour leur confort. Et en fait, on participe à leur éveil, à leur socialisation, à leur développement pour arriver à les amener à une autonomie. Donc on peut faire des comptines, on lit des histoires, on aménage des coins jeux, il y a des coins calmes. Les coins en fait changent en fonction des observations qu'on va faire. La plupart du temps, les enfants sont en activité libre et puis voilà, ils vont grandir en toute sécurité. Moi, j'ai suivi une formation d'auxiliaire de puériculture, puisque avant, je travaillais en crèche. Donc, je n'ai pas eu la formation propre aux assistantes maternelles, qui est donc une formation de 120 heures, pour pouvoir avoir l'agrément. Les qualités pour moi qu'il faut pour être assistante maternelle, c'est vraiment l'écoute, la patience, la disponibilité, savoir s'organiser, savoir s'adapter aux enfants, et savoir se remettre en question. On est toujours à la recherche de créativité ou de projets. Notre but, c'est que l'enfant s'exprime pour qu'il puisse extérioriser ce qu'il peut ressentir, parler de ses émotions. Notre rôle, c'est de l'écouter et d'être disponible pour eux, mais tout en accompagnant un groupe. Donc on doit les socialiser ensemble. Ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est l'accompagnement et le côté riche parce qu'on apprend tout le temps. On se remet toujours en question. Les enfants ne sont jamais pareils, donc on doit tout le temps s'adapter et en fait, on n'est jamais dans la routine.